Putain, elle pète pas cette bonbonne de gaz, je suis déçu. Ou faut tirer sur le côté? Non, elle pète définitivement pas. Bon, mis à part le fait qu'elle va sûrement péter au moment où moi je vais passer à côté, mais. J'ai failli t'écraser. Bien habitué. Une schister fusillade sportive. Alors, je vais réparer le véhicule. Oh. Oui. Je viens de trouver une voiture assez sympatoche. Ah, moi, je peux pas améliorer le blindage encore. Ah. Je peux pas améliorer les freins non plus. Non, mais par contre, je peux faire un séparateur avant, un custom. Bon, ça sert à rien, mais. Ça change vraiment rien, c'est juste esthétique. Moteur, je peux pas faire le moteur aussi. Et en fait, j'ai fait aucune course, c'est pour ça que je peux pas améliorer. Moi, je viens de vendre le véhicule. Ça m'a fait des sous. J'avais trouvé une voiture sympa, donc soit je te l'ai filé. Soit je la vendais. Tu t'es dit. Mais si, je vais la vendre. Tu vas la vendre. Non, c'est pas vrai. Bah oui, je l'ai vendu, mais non, c'était un véhicule de merde. Il est pas aussi bien que la Schistler fusillade là. Que... Je viens de trouver un klaxon sympa, tu vois, ça va être rigolo. Ah ouais, moi je peux pas avoir l'assurance tout risque en fait. Je vais m'en customiser une. Ah, pourquoi si, que j'achète l'autre avant en fait. Plaque. Plan, machin. Pourquoi je peux pas changer le nom de la plaque? Comment t'as fait pour changer le nom de la plaque, toi? Bah, je sais pas. Peinture, on emblème du crew. Ah, il faut que j'ai le rang 10 dans mon crew. De toute façon, je peux pas le faire. Et les peintures, je ne vois aucune. Ah oui, non, parce qu'il faut d'abord les choisir. Ah, c'est sympa ça, comme ça. Ah, on va prendre comme ça. Et je vais vendre la voiture. Non, ça n'a aucun intérêt de la customiser ensuite de le vendre. Et je vais mettre un aileron. C'est un tout petit aileron en plus. Hein. Et je vais pas améliorer les suspensions. Je vais pas tous les trucs en fait qui rajoutent de. Il faut que tu le fasses avec les avec la voiture. Et ben je peux pas le faire en fait. Bah parce qu'il faut que je fasse des courses et j'ai fait aucune course. Et bah écoute, on va aller faire une course. Bon, qu'est-ce que tu penses de ma voiture? Bah, je sais pas, je suis pas encore sorti. Bon, t'es où toi? Pas mal. On se fait des courses avec les mêmes bagnoles? Allez, c'est parti. On va où? Tu veux. Pour faire une course? Bah, y a une course de bagnole pas loin. Ah, fallait tourner. Il y a Damien qui dit une voiture de président, c'est pas tout à fait faux. Mais t'es où là? T'as monté les escaliers ou? Ouais. Et j'avais pas assez de vitesse pour le faire en fait. Je suis coincé dans les escaliers. Est-ce que tu peux venir me pousser? Oui, pas de soucis, j'arrive. J'avais pas assez d'inertie. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Non mais tu vas me tuer là. Mais non. Merci. Putain, mais je suis apparu super loin, je suis à l'aéroport. Bah, c'est pas plus mal, de toute façon, on doit aller là. Côté, effectivement. Attends, je vais chercher. On ira chercher ta voiture plus tard, faut y aller à pied dans le truc. Sérieux? C'est débile. Bah oui.
Attends, je peux pas sauter un buisson. Ne me tue pas, on fait la course. D'accord. Ah, je suis recherché. Oh, t'es chiant. Tu m'aurais pas tiré dessus, ça aurait été très bien. Ouais, mais du coup, je suis recherché. Donc tu peux pas faire la course? Bah non. Eh bah, dérecherche-toi et reviens, je t'attends. Là, Siméon veut ce véhicule. Sauf que Siméon, il est con parce que c'est mon véhicule. Alors, on fait une course standard ou une course GTA, c'est-à-dire qu'il y a des armes? Bah, une course GTA, c'est beaucoup mieux. Le problème, c'est que là, attends, je suis en train de me faire poursuivre. Je me fais suivre. Sinon, t'as une course standard sans collision, en fait. Course standard sans collision. On met combien de tours? C'est pas... Bah attends, le problème, c'est que pour l'instant, je suis recherché. Ou tu vas te faire buter ou tu vas te dérechercher, comme ça, je paramètre le truc, déjà. Donc, dis-moi combien de tours. Bah, je sais pas, 5 tours, comme ça, on a le temps de voir. On met des super sportives. Ouais. Créneau horaire midi, nuit, matin. Créneau horaire bat les couilles. Mais avec du jour, c'est quand même mieux. Ouais, ouais, midi. Beau temps, pluie. Bah, autant mettre du beau temps. Trafic avec ou sans? Ah, avec. Indice de recherche avec ou sans? Est-ce qu'on désactive les flics? Avec. Non. C'est véhicule plus custom. Avec ou sans? Bah, ça, en gros, c'est est-ce qu'on peut faire venir nos voitures? Bah, avec. Aide au dernier, donner une chance au moins bien placé dans la course. Oh, bah oui, c'est mieux. Aspiration avec. Temps intermédiaire. Record du monde, record ami, record crew, record personnel, record du monde. On s'en bat les couilles en fait. Course GTA en équipe sans parce que ça sert à rien. Et la radio, on va pas mettre de radio parce que c'est chiant la radio. Attends, je me suicide et j'arrive. Confirmé par un. Attends, je suis en train de prendre un hélicoptère. Mes amis. Amis qui jouent à GTA 5 ou pas du tout. Type de salon privé. Ou alors on fait venir les gens. J'arrive. Non, mais je veux dire, est-ce qu'on l'ouvre à d'autres personnes ou juste tous les deux? Ouais, juste tous les deux. Ouais, tu me dis quand t'es là, je ferai jouer. Présent. Jouer. Lancement de la session. Alors c'est bien parce que je connais pas du tout... les voitures, mais je vais prendre celle-ci parce qu'elle est super méga classe, on dirait la voiture de Batman. La Truffade Adder? Non, la Pegasi Zentorno. La Zentoro, ouais, la Zentoro. Sauf que la Truffade Adder, c'est l'équivalent d'une... D'une... merde, putain, je me rappelle plus le nom. Bref, t'as compris. Une Bugatti Veyron, voilà. Bon, on joue, bordel. On joue ou on joue pas? Attends, mais on joue, je choisis la voiture. tu paries combien? Que, comment ça? Ah, parce qu'après, il faut choisir le pari, c'est ça? Bah oui. J'en sais rien. Moi, je parie 1000 dollars. Bah, moi, je parie 2000 dollars. Arme de départ. Fusil à pompe lourd. Prêt à jouer. Elle est jolie ta voiture, effectivement. C'est la voiture de Batman. On évite de quitter le véhicule pendant les courses GTA. Ouais. Appuyez sur L3 pour les turbos et les roquettes que vous avez récupérées. Oh putain, il y a des roquettes, mec. Une espèce de Mario Kart. C'est ça, c'est génial. Je te vois déjà plus, hein. Je sais pas où t'es parti. Moi, je suis en première position.
suis dans le mauvais sens. Mais t'es con. Je me suis chié. En fait, elle est beaucoup trop courte, cette course. Les tours sont minuscules. Je t'ai raté. C'est moi ou t'as un tour de retard? Un tour de retard. On a fait la même erreur que tous les deux, comme des cons. Je vais prendre ça, je sais pas ce que c'est. Mauvais sens, pourquoi mauvais sens? Ah putain, c'est un turbo ça. Oh putain! J'ai ma voiture qui est un peu cassée. Mauvais sens. Ouais, il a tendance à dire mauvais sens très facilement, ce jeu. Moi aussi, il me dit mauvais sens de temps en temps. Et t'es passé en première position. Je comprends pas. Ah, mais parce qu'en fait, il y a tant en temps, tu dois monter au-dessus, en dessous. Ok. C'est ça, le truc de pute. Ouais, bah c'est pas très clair. Hein. Il t'explique pas beaucoup comment tu fais pour passer. Mais est-ce que je suis dans la course encore, là? Et il me redit mauvais sens. Je comprends rien. Parce que là, il fallait tourner. En fait, je pense qu'il faut pas qu'on fonce comme des gros bourrins, quoi. Mais c'est pas rigolo. Et là, il me redit mauvais sens. Mais ça n'a aucun sens, votre course. Ah, d'accord, en fait, il faut suivre les checkpoints jaunes. Je suis con, moi. Bah oui. Merci pour cette roquette qui ne servait à rien. Là, il me redit mauvais sens. Hein. Mais en même temps, je sais pas comment redescendre en bas. Donc, comment tu veux que je fasse? Alors, commence. Ouais, je comprends rien à leur circuit. Est-ce qu'on peut recommencer? Je sais pas comment on fait. Bah. Ah, mais en fait, si tu maintiens triangle, tu réapparais au point de passage. Oui, c'est comme ça que j'ai compris qu'est-ce que c'était le délire. Ok. Alors, réapparaît-on au point de passage haut? Eh ben la voiture que j'ai pris, elle est classe, mais elle est incontrôlable. Hein. Dès que je freine un peu, c'est le bordel. Et tu freines avec le frein à main ou tu freines avec le frein? Bah, prends une comme la mienne, alors. Parce que la mienne, elle est contrôlable, c'est un régal. Ok, fallait aller à gauche, en fait, ici. Putain, j'ai tendance à envoyer les roquettes pour rien, aussi. On recommence? Bah si tu trouves l'option, ouais. Moi je sais pas où aller. Bah, on abandonne tous les deux en fait. Comment tu fais? Je ne sais pas. Ah voilà. Ah oui, appuyer sur carré pour annuler cette activité quand t'es... Quand t'es quoi? Quand t'es dans le téléphone, tu vas dans la liste des activités et puis tu vas sur celle-là et tu fais annuler. Ah, mais c'est chiant, on va devoir la reconfigurer. Ouais. Ah, en plus, il y a un temps de chargement. Quoi. Ouais. Enfin, c'est la merde. Rejoignir. Ah non, mais attends, le truc qui est rigolo, c'est que là, j'ai GTA Online, rejoignir rapidement des amis. C'est le truc qu'on a mis une demi-heure tout à l'heure. Eux, ils appellent ça rapide. Oui, non, mais c'est seulement quand tu fais une activité rapide. Donc, en fait, t'es obligé d'avoir une activité en tête, déjà. C'est ça. Bon, puis après la course, on arrête, parce que déjà, j'ai envie de pisser, puis il faut que je promène le chien, et puis... On va se mettre sur podcast.
Arrête, faut pas dire aux gens qu'est-ce qui se passe sur PodCloud. Quoi, tu veux dire l'ensemble des nouvelles fonctionnalités? Exactement. Moi, personnellement, j'entends un gamin encore. Donc, le filtrage de qui peut parler dans GTA Online, ça me casse les couilles. Et moi, l'ensemble des réglages de GTA Online me casse les couilles. Eh, je réapparais dans ma voiture. Siméon veut ce véhicule. Ah, il veut un véhicule qui est sur ma carte. Ah, d'accord, c'est pas ce véhicule. Ouais, je me disais pourquoi il veut ma bagnole. Bon. Elle est où la course? Je m'en souviens plus. Bah, là où je suis, donc je vais la configurer. Mais tu m'invites. Héberger. Il y a un type pas loin de moi qui s'appelle The Gamer du Mal. Alors, course standard, GTA, course de rallye GTA, c'est très bien. Nombre de tours, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tours, 11 tours, 12 tours, 13 tours, 15, 20 tours, on peut tu faire peux aller jusqu'à 99, donc on va faire 5, c'est très bien. Tu peux faire 99 ouais. Tours. Bon, donc super sportive, créneau vers midi, météo beau temps. Non, on va faire un temps de merde, en fait. Pluie. Trafic avec. Indice de recherche avec, bien entendu. Véhicule custom sans. Aide au dernier avec. Aspiration avec. Temps intermédiaire, record du monde. Tu vois. Record ami, record crew, record personnel. Course GTA en équipe avec. Non, bah non, sans, on est deux. Radio éteinte. Confirmer les variables. Mes amis. Pointe des gens avec un flingue. T'as dû recevoir une invitation. Si, c'est l'invitation. T'as une invitation, quoi. Va voir dans ta liste. Invitation à course terrestre. Attends, faut que j'accepte avant qu'il y ait le connard à côté qui me tue. C'est bon. C'est ce type de salon privé. Les invitations sont actuellement désactivées pour cette session. Retour à GTA Online. Mais tu viens de l'accepter. Ouais. Ça n'a aucun sens. Moi, ça lance la session et toi, t'es en accepté, hein, je précise. Ça n'a aucun sens. Il faut que tu me réinvites. Bah écoute, le problème, c'est que ça m'a fait quitter l'activité. Du coup, oui. C'est génial. Putain de menu de merde! Menu de mes couilles! Qu'est-ce que tu te barres où là? Ouais, je vais t'essayer de configurer le truc parce que moi apparemment j'y arrive pas. C'est où déjà? Je me souviens plus. Attends, je vois un point de course à côté, ça doit être ça. Quelqu'un me tire dessus! Mais arrêtez de crier, c'est pas parce que je vous ai roulé dessus que c'est bon, c'est la panique. Alors, tour à l'aéroport, téléchargement. Oh, monsieur sort son téléphone. Héberger. Alors, course GTA, nombre de tours, 5 super sportives, midi, on a dit qu'on mettait de la pluie, trafic, avec ou sans, je me souviens plus. Avec, radio, ferme ta bouche, confirmer paramètres, mes amis, amis qui jouent à GTA 5, invitation d'autres joueurs. T'es invité ou pas? Moi, t'es même pas marqué comme invité, là. Non, j'ai rien. Si, il y a marqué invitation. C'est bon. Récupération des détails de la session GTA Online. Là, t'es connexion en cours. J'attends que tu sois en présent. Parce que tout à l'heure, ça marchait avec ça. Mais comment ça se fait que t'as pas débloqué le sniper alors que t'as un niveau plus élevé que moi? Je vais peut-être pas acheter ou Lancement de la session.
Option. Alors, c'est laquelle que tu avais pris, la truffade d'Adair? Ouais. Si tu me dis qu'elle est bien, on va essayer. J'ai confirmé mon véhicule. Et je parie 10 000 dollars parce que je suis un ouf malade. Et je suis prêt. Il y a marqué prêt 2 sur 5. C'est normal? Non. On est que deux, hein, donc. Merde. Je voulais sortir et te buter avec un flingue, mais ça a pas marché, j'ai pas de flingue en fait. Mais non, mais parce que faut attendre un peu pour que les armes soient autour. C'est nul. Mais en même temps, bien. Effectivement, elle est beaucoup plus agréable à conduire celle-ci. Alors, par contre, je me suis mangé le truc. Parce que j'avais pas vu que la route se divisait à cet endroit-là et j'avais le checkpoint par-dessus. On t'en sort? Ouais, bah oui. Facile, quand la route elle tourne, tu tournes. Mais j'ai l'impression que la pluie joue dans la conduite, hein. Bah oui, ça glisse. Ouais. Ça glisse. Comme ça, tu fais du drift. J'ai raté un truc. Je sais pas ce qui s'est passé. À un moment donné, j'ai suivi les checkpoints. À un moment donné, il n'y avait plus de checkpoint devant moi. J'ai merdé un virage. À tout moment dans la course, vous pouvez faire exactement ce que vous venez de faire. Je me suis chié, c'était pas ça que je voulais faire. Je crois que tu t'es chié. Putain, là. Mais je comprends pas! Comment je peux les louper? Il fallait faire demi-tour quasiment. Mais c'est quoi cette course où faut faire demi-tour quasiment? Ça a aucun sens! Alors qu'on pourrait faire demi-tour complètement, merde! Mais non! On pourrait ne pas faire demi-tour! Je veux bien que y ait des endroits où tu dois tourner, que ça change de circuit et tout, mais faire demi-tour, c'est chelou. C'est pas intuitif. C'est très gentil de m'attendre. Oh putain! J'ai réussi à te tuer. Et t'as fait comment? Ouais. T'as fait comment pour me buter? Bah, je les ai lancés en arrière. Bah, ah mais on peut. Bah, faut se mettre en vue rétroviseur, c'est tout. C'est expliqué, en fait. Hein. Et tout à l'heure, c'est ce que j'ai essayé de faire et que j'ai complètement merdé. Bon, maintenant, à faire le con, faut que je fasse mentir la fable du lièvre et de la tortue. Merde. Ah oui, il y a des endroits où tu dois carrément faire demi-tour en fait. J'ai une question, elles sortent d'où les roquettes? De ton ça, cul. Ça fait mal, arrête. Putain, je me suis coincé dans un poteau à cause de toi.
J'étais coincé entre un lampadaire et le mur et j'avais pas assez de vitesse pour déchausser le lampadaire. Pourquoi ma voiture tourne plus? Je crois qu'elle est trop abîmée. Coucou. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, cette déception! Oh, je pensais que t'arrivais à t'emplâtrer dans ma voiture, mais en fait, pas du tout. Oh putain! J'ai touché le pot de fleurs, je glisse. Je ne suis que déception. Merde! Coucou! Ah, tu viens de disparaître du coup. Non, pourquoi mauvais sens? C'est quoi les histoires encore? Putain, ça glisse vraiment avec la pluie, hein. Ah oui. Mais moi j'ai pas d'arme. Pourquoi? T'as été la ramasser où ton arme? L'arme? Ouais. Bah je l'ai juste récupéré. Ah, tu l'as mis dans ton arme de départ, non? Ouais, ah oui. Mais j'étais con, moi je me suis mis une arme de départ qu'on peut pas utiliser en voiture. C'est-à-dire? Bah mon fusil à pompe lourd. Je peux pas l'utiliser en voiture en fait. Donc du coup je peux pas te tirer dessus. Ah c'est dommage. Faudrait que je sorte de la voiture. Par contre j'ai les pneus à plat là, j'ai beaucoup de mal à rouler. Donc du coup je vais prendre un turbo, je trouve ça rigolo. Oh le con! Ah par contre j'ai la police au cul maintenant. Et j'arrive plus à rouler là, faut vraiment que je trouve un truc de réparation. Apparemment non, parce que quand tu réapparais, il te répare le véhicule. Donc c'est un peu du cheat. Hein. Ouais. Je t'ai loupé. Je t'ai loupé. Non! C'est quoi ce mauvais sens encore? C'est quoi les histoires de mauvais sens? Il y a des mauvais sens, il y a des histoires. Attends, le point de contrôle il est où? Ah ok. Voilà. Oui, bah mauvais sens ça va, c'est bon, je me suis pris un virage. Oui, les roquettes à bout portant, oui monsieur. Là au moins je suis sûr de pas te rater, tu vois. C'est une technique. J'ai aucune idée de si je suis sur le bon niveau. Si je suis en haut ou en bas, je sais pas. Mauvais sens. Je comprends pas où il faut passer. Je suis pas dit dans le bon sens là, vraiment pas. J'ai réussi à prendre le point de contrôle à travers le mur. Non, c'est la merde. Fais-moi réapparaître. Jamais je pourrais sortir de là. Et moi, j'ai les flics au cul en même temps. Hein. Je sais pas toi, mais... Pareil. Il y a un hélico et tout, maintenant. C'est vraiment la merde. Ce qui est bien en fait avec cette notion de ça va dans tous les sens au niveau de la course, tu sais jamais par où il faut passer, c'est que j'ai aucune idée ouais. De où est-ce qu'on en est au niveau des tours et de qui... Enfin je sais que je suis deuxième, mais je sais pas où est-ce que t'en es en fait et si je peux te rattraper facilement ou pas. Position 1 sur 2. Oui mais par rapport à quel circuit, quel tour et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te dépasser. Ah, je ne sais pas. C'est infaisable, monsieur. Je sais même pas où t'es. Ah, mais t'es devant moi, je crois. Enfin, oui, forcément, mais... Là, je crois que t'es juste devant moi. On s'est raté.
Ah, on s'est pas raté là. Beaucoup moins là. Beaucoup, je beaucoup me suis moins dit, ça là. Va passer. J'ai pas pris la roquette, il va la prendre. Coucou. Coucou. Putain de poteau de merde. Et il a pris la roquette. Ah non, tu l'as pas pris. Comment j'ai pu la rater celle-là? T'étais juste devant moi. Mais bon, si tu l'as pas pris, ça veut dire que t'en as une autre en stock. Hein. Ça, je connais. Hein. C'est bon. Hein. J'ai la connaissance. Hein. Non mais je suis déjà dans la merde, c'est bon. Mec, je suis en train d'avoir un accident et il continue de... Je suis premier, hein, tu sais. Je t'ai loupé. Comment je fais pour te louper alors que t'es à 10 cm? Non mais je peux plus rouler, il me manque des pneus. Ça suffit maintenant. Non, il me faut le truc de réparation là. Bâtard, il l'a pris. Je m'en fous, je réapparais. Ça répare la voiture, la réapparition. Ça fait perdre du temps, mais ça répare. Je pense qu'on ne gagnera pas des records du tour. Non. Enfin, pas aujourd'hui, quoi. Un jour peut-être avec du travail d'équipe, le fait d'arrêter de s'arrêter pour aller pour que l'autre y vienne et qu'on lui défonce la gueule à coups de roquette. Tu vois, des trucs comme ça. Je me suis encore trompé de sens, hein. Voilà, mauvais sens. Il y a des moments donnés comme ça dans la vie, tu vois, où il faut passer à un endroit et je comprends pas lequel c'est. Et je viens d'envoyer une roquette dans un mur encore. Ça va, Phil? Ça va. Le problème, c'est que je peux pas rejoindre la route parce qu'ils ont décidé de foutre des trucs par-dessus. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Non, faut passer où, là? Tu vas chercher ton point de passage. Ah, fait triangle. Mais non, mais c'est chiant, putain. Il y a plein de moments où je comprends pas où est-ce qu'il faut passer. Et pour moi, c'est le signe d'un problème. C'est-à-dire que c'est mal fait. Oh, non, faut tourner ici. C'est un bordel. Pardon, madame. J'ai réappelé les flics. Hein. Je suis désolé. C'est chiant parce que le rétro, il met du temps à se mettre. Donc du coup, tu perds ouais. Du temps. Surtout que je vois quand tu commences à te prendre un mur, en général... Ouais, ça veut dire que j'ai mis le rétro. Du coup, si tu veux, ça trahit un petit peu la stratégie. Ouais. J'ai raté le virage. Moi, je m'emmerde plus, je réapparais, allez. De toute façon, le jeu il est bourré, il fait n'importe quoi. Oui, bah je sais, mauvais sens, laisse-moi le temps de faire le demi-tour. Complètement taré ce jeu. Ah, mauvais sens! Ça va sinon, ça se passe bien? Ça va. Tour 4 sur 5. Hein. Ouais, je viens de voir ça. Ah putain, tu l'as eu. J'ai essayé de te pousser sur le côté, ça a pas marché. Non, pas vraiment.
Yes. Tu sais que tu m'as eu avec l'explosion, pas avec la roquette, hein. Oui, j'avais bien compris. T'as explosé devant le mur, ta roquette a explosé devant le mur et du coup m'a tué. Ouais, mais je suis pas peu fier. C'était pas du tout ce que je voulais faire, mais. Ah, il y a le cadavre de ma voiture qui est encore là. Ah ouais. J'ai raté le virage. J'abuse trop de cette fonction à apparaître. Ça me fait perdre un temps fou. Moi, attends, le problème, c'est que moi, ma voiture, elle était toute défoncée. Bah, tu peux récupérer des trucs qui réparent. Quoi? Yeah. Ah oui, non, mais moi, elle était défoncée, je n'arrivais plus à rouler, j'avais enfoncé la roue avant. Ouais, mais il y a des trucs qui réparent. LOL XDMDR. C'est moi ou je viens de te buter? Ouais. Mais... Parce qu'en fait, t'as disparu à travers ma voiture quand même, hein, faut bah le ouais, savoir. Non, mais moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais t'avais encore une roquette? Il y en avait deux sur ce point de passage, j'ai récupéré. Tu peux pas récupérer les deux, tu peux en récupérer qu'une. Ah si si, une fois que je t'ai buté, j'ai récupéré l'autre. Mais je viens de récupérer 5 dollars de ma part. Sur mon cadavre. Ah putain, mais cette pluie, comment elle me casse les couilles. C'est moi où je t'ai envoyé Val Dinguier quand même. Bah oui. Mais il y avait la pluie aussi qui est derrière. Ah mais j'ai plus de pneus ah, aussi. Ça aide pas. C'est vrai. Je suis arrivé à les toucher alors tes pneus. Bon, c'est chiant. Réapparition. Je peux pas rouler sans pneus. C'est le bordel. Je fais du sur place. Oui, je sais, c'est le point de passage où il y a deux roquettes. Putain, j'ai encore raté le point de le virage, là. Le problème, c'est que ça s'appelle des tours, mais en fait, pour faire un tour, il faut que tu fasses toutes les boucles, et donc, du coup, t'as l'impression de faire plusieurs tours. Sinon, la police, elle te laisse pas tranquille, hein. Alors elle me fait chier depuis tout à l'heure. Ouais. Putain, t'es chiant, Phil. C'est l'équivalent de camper dans une course de voiture, c'est quand même chelou, hein. Allez, maintenant les flics ils m'en veulent à moi aussi. T'arrêtes de me tirer dessus. C'est le but de cette course. Non, c'est pas vrai. Le but de cette course, c'est de finir premier. Bon d'accord, c'est se tirer dessus, sinon c'est pas drôle. Ah tain, c'est toi qui l'as eu encore. Non, ah bon, bah, personne l'a eu alors. Ah si, pardon, c'est moi. J'ai gagné 50% d'XP en plus pour vengeance. Quelle putain de grosse pute quoi. Ah non, personne l'a chopé tout ça. Ah si, moi, blim, allez. Tu sais que tu vas prendre cher. Putain, mais j'ai eu un barrage de police là devant là. Je n'arrive juste pas à passer quoi. On peut pas prendre cher, c'est pas possible. Tu viens de leur envoyer des roquettes dans la gueule. T'aurais pas encore raté la non, sortie toi? Au contraire. Là j'ai bien géré je trouve. Bon, mis à part ce demi-tour que j'arrive jamais à faire, mais... C'était bien tenté. Ouais, je sais pas, je me suis dit je vais le faire pour que ça passe pile au moment où il tourne et c'est pas passé. On va mettre 20 minutes pour 5 tours, hein, ce qui est quand même un score lamentable.
C'est probable. C'est très probable. Ce serait un des scores les plus lamentables. Mais est-ce qu'il y a un tableau des scores les plus lamentables, justement, monsieur? Ouais. Oh, absolu, je pense qu'on peut le tenter. Ça s'appelle le tableau des scores quand tu scrolles jusqu'en bas. Mais non, tu sais, j'avais une borne d'arcade au collège. Non, au lycée. C'était un jeu de conduite et tu devais passer au plus près des voitures pour augmenter tes points et pouvoir conduire plus longtemps, en gros, vu que c'était une borne d'arcade. Et t'avais le top des meilleurs conducteurs et le top des plus mauvais. Donc nous, forcément, on visait le top des plus mauvais parce que c'était quand même beaucoup plus jouissif. Mais voilà, quoi. C'est un concept. Ouais. Le poteau, le poteau! C'est ce que je me disais, je regardais la carte, je me disais, mais il va pas au bon endroit. Ah, mais non, mais effectivement. Tu vois, il y a une voiture de flic qui est tombée dans. Et là, je viens de passer à côté d'un flic à pied qui était avec son petit flingue et qui essayait de me tirer dessus. Et, mis ouais, à part ça, j'ai encore loupé le moment où il fallait tourner. Dès qu'il faut faire la boucle intérieure, je le loupe. Mais tu fais la même chose à chaque fois, donc disons que je m'en doute un peu que tu vas le faire. C'est au même endroit en plus. C'est pas par la file, hein, c'est à gauche. T'as des roquettes ou pas? Évidemment que oui. Putain, j'ai raté la roquette, quoi. Je suis sûr que tu vas la prendre. Non, je l'ai pas. Tu sais que j'entends le clic du L3. Hein. Ah ouais. Donc je sais quand est-ce que tu vas tirer. C'est dégueulasse. Bah ouais. Hop. T'as qu'à pas le bourriner comme je ça. Je le bourrine pas en plus, hein. On en est à combien de tours? Bah là c'est le dernier normalement, mais j'ai l'impression qu'on l'a fait deux fois. On est particulièrement mauvais du coup, ça fait recommencer plein de fois. Il y a une voiture encastrée dans le mur chez toi aussi ou? Oui oui. Bon Phil, ça suffit. Mais quelle grosse putasse. Sinon j'ai gagné. Ouais, not even mad. C'est tellement la victoire. Not even mad, je me suis bien fait plaisir. Dans 22 minutes, vous avez établi un record du monde de 3-14. J'ai établi un record du monde de 3-14, je sais pas ce que ça veut dire. Mais j'ai établi un record du monde. Est-ce que c'est le record du monde du mec le plus lent? C'est possible. Est-ce qu'il te fait bien un doigt? Ouais, tu m'as bien fait un doigt, enculé. C'est quoi cette histoire de record du monde? Classement en ligne R1. Ouais, c'est pas tout ça. On est à la console? Ouais. Ouais, j'étais à la console. On va couper le live. Ouais. On va couper le live. Bon, et ben du coup, il m'a dit que non. Hein, je lui ai demandé le classement mondial et puis il m'a fait hey, c'est quoi votre prochaine activité? Mais non, mais t'avais pas fini de me charger le classement mondial, connard. Bon, et ben extinction de la console. Merci d'avoir regardé ce live, Damien, puisque tu es le seul qui reste. Et salut, ouais. Bisous, ciao, au revoir. Merci.